La productrice aux 16 Oscars. Vous pouvez me rappeler déjà les trucs à dire et à pas dire? Surtout ne parlez pas. Après tout, c'est elle qui demande à nous voir. Nous, nous nous sommes déjà exprimés par notre scénario. Ok, j'ai ce courrier. Ne manifestez pas enthousiasme si ça se passe bien. Et si ça se passe mal? Non plus. Montrez par votre attitude que nous n'attendons pas après ça. Laissez sous-entendre que nous avons d'autres projets plus importants, plus gros. L'essentiel, c'est de faire aucune concession, hein. Ah, aucune. Souvenez-vous bien que ce qui nous anime n'est pas corruptible par l'argent. Avec nous, c'est tout ou rien. Nous sommes deux punks. Ici et là.
J'adore. J'adore. J'ai été littéralement transportée par votre scénario. Bah, y a pas de secret, c'est un scénario dans lequel nous avons mis beaucoup de nous-mêmes, alors... Par ailleurs, c'est quand même assez gonflé de me proposer une comédie quand on connaît mon surnom dans la profession. Joe le clown. C'est entendu que je ne suis pas drôle, que je ne sais pas rire. J'espère que nous n'étions pas au courant. Et quand bien même nous aurions su, jamais nous ne serions permis de vous appeler Joe le clown. Oh, par ailleurs, notre histoire n'est pas une comédie, mais quelque chose de très poignant au contraire. Ce sont toujours les auteurs qui parlent le moins bien de leur travail. Faites-moi confiance. Je sais reconnaître le génie. Ah mince. Pour une fois qu'on arrivait à décrocher un rendez-vous. Quand elle nous a dit qu'elle sait faire connaître le génie, ça a été le coup de massue. On a bien cru que c'était mort. S'il vous plaît, messieurs. Parlez-moi de votre film. Pour nous, c'est surtout l'occasion de rendre hommage à Sven Larsson. Sven Larsson, le héros du film, l'inventeur du fond vert. Un docteur à la base, qui a laissé tomber ses études sur le cancer pour se lancer dans le cinéma. Combien voulez-vous ? Rien. Pour nous, l'intrus, c'est d'abord le moyen de mettre le pied dans la porte. À la porte du cinéma, bien sûr. Très bien. Je mets à votre disposition un studio et une équipe complète. Vous commencez à tourner demain matin. En contrepartie, je ne vous demanderai qu'une seule chose. Je vous invite à prendre un très grand acteur pour le premier rôle. Ouais, très bien, ça. Alors justement, on pensait à Samuel. Domino ! Domino sait jouer ? S'il donne sur le plateau ne serait-ce que la moitié de ce qu'il donne dans l'intimité, vous n'aurez même pas besoin de dialogue. Très bien, partons sur un essai. Je m'en suis occupée, c'est bon. Ok. C'est super. Bienvenue dans l'équipe, Diabolo. Oh,
Eh bien voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, Bertie? Vous voyez que ça valait la peine de quitter votre job dans les assurances. Un studio complet, rien que pour nous. Il y a de quoi acquérir toute l'île de France. Bonjour. Stéphanet. Présentatrice de l'émission Le Top 10, meilleur de la musique. Béné Bertie, réalisateur du film L'Incruste, dont vous avez certainement entendu parler. Eh bien, bienvenue sur le plateau. Passez au maquillage. Je suis à vous dans une minute. Le Top 10? Visiblement, il y avait un petit souci d'organisation. Stéphanet, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le milieu du cinéma, occupait notre place. Alors j'ai décidé d'appeler Garzelli. Ah, les deux messieurs de l'Incruste. L'Incruste, oui, bonjour Nicole. C'est une histoire de fou que vous allez vite arranger. Une histoire à peine croyable. Figurez-vous que Stéphanet et son Top 10 occupent le plateau de l'Incruste. Or, il ne peut y avoir deux tournages sur le même plateau. Les choses auraient pu s'arranger, bien sûr. Mais nous avons fait le choix de ne faire aucune concession. D'où le problème. Vous vivez sur la station Mire, messieurs? Ah, les Pyrénées, pourquoi? Vous n'avez jamais entendu parler de la transdisciplinarité? La transdisciplinarité, c'est quoi? Une science. La transdisciplinarité, ça veut dire s'ouvrir à de nouvelles disciplines. Ici, c'est le Top 10. Et le Top 10, c'est quoi? Une science. C'est les 10 chansons les plus vues sur les internets. C'est l'occasion pour vous de confronter votre travail avec celui de vrais professionnels. De mixer les cultures au sein d'un même espace de libre-échange. Maintenant, si vous me dites que vous n'êtes pas prêt pour le futur, pas de problème. Ah non, 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 nous on était prêts pour le futur, bien sûr. On ne s'attendait juste pas à ce que ça arrive ce jour-là. On est transdisciplinaire. Aucun doute là-dessus. Hein. Moi, à côté du cinéma, je fais du kayak. Ben fait du pain. Si on peut apporter quelque chose au Top 10, c'est avec plaisir. Très bien. Vous attendrez sur le côté que le plateau se libère. Quand cette lumière rouge passe au vert, c'est à vous. Place au cinéma. Mais avant cela, je vous demande d'accueillir le numéro 9 de notre Top 10. Ils nous viennent du pays de la frite, Bob Bernard et ses Mannequin Peace. Jeunesse à l'arrière d'un Ford Transit, à bouffer des kilomètres et aussi de la musique. Si on a pris ce chemin, c'est qu'on le voulait bien. Tu as choisi la route si tu es musicien. Pour acheter nos guitares au pavé devant les enfants. Les boutiques de Pigalle, on avait pris un crédit. Compétition, les vendredis au golf Drouot. On s'observait souvent pour expliquer les solos. C'était l'école. C'était l'école du rock and roll. Beatles et Rolling Stones faisaient craquer les foules. La mode qu'avait en France venait de Liverpool. Pour le cheveu trop long, contrôle d'identité. Si tu es différent, aujourd'hui pas de changement. C'était l'école du rock'n'roll. Yeah.
comme on dit dans la chanson, on n'a pas tous les jours 20 ans. Mes compagnons d'illusion, je les revois de temps en temps. Héros à 4 ans, j'en viens faire des bricoles. Moi, pour gagner ma vie, j'accompagne une idole. Ok, Fred, Jackie. C'était l'école. C'était l'école. Du rock and roll. Rock and roll. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bertie, mais qu'est-ce que vous avez foutu avec le scénario ? Bah quoi ? J'ai profité d'une pause musicale pour m'occuper du découpage. Ah, bonjour ! La rencontre avec l'équipe, ça a été l'un des très grands moments du tournage. Oui, Nicole avait mis à notre disposition un directeur de la photographie très renommé, Monsieur Cliff Barnes. Je suis votre nouveau chef opérateur. Cool. Extra. Avant toute chose, n'en prenez pas ombrage, mais Ben et moi tenons à être derrière la caméra. Oui, n'y voyez aucun mépris, mais nous pensons que de vrais cinéastes doivent se trouver derrière la caméra. C'est une question de principe. Ça. Aucun problème, vous serez juste derrière moi. Qu'avez-vous pensé du scénario ? Pas lu. N'y voyez aucun mépris, mais je pars du principe qu'un vrai chef-op ne doit pas lire le scénario. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Garzelli nous a refilé des pointures. Votre assistant est là ? J'aimerais lui parler. Oui, il est là. Il est arrivé en même temps que moi, puisque cet assistant, c'est moi. Et l'ingé son, il est dans les parages ? Oui, je l'ai vu. En allant me regarder dans la glace. Car c'est moi aussi qui m'occupe du son et qui tiendrai la perche. Et je sais, ça peut paraître un peu déconcertant, mais je vous assure que je travaille mieux comme ça. Pourquoi pas ? Si c'est bien fait et que ça va vite. Oh, ça va très vite. Hein. Ah, le reste de l'équipe, sans doute. Oh, non, ça c'est l'équipe du making-of, ils participent pas au film. Allez, je vais décharger le camion et on attaque. Ah oui, juste une chose, est-ce que vous avez le découpage ? Oui. Tellement de réalisateurs ne prennent pas la peine de faire un découpage. Quand je vois un découpage comme le vôtre, ça me donne envie de croire en ce métier. Bon. Il est bien ce chef-op, non ? Tout ça part sur les chapeaux de roue, mon cher Bertie. À présent, le plus dur commence. Ne pas se laisser griser. J'étais là très tôt ce matin. Je te cherchais à vive allure. Le passé nous rattrape. Je me demande si j'ai eu raison. Mais me voici à Rome, devant chez toi. L'escalier monte à sa chambre. Et dans ce froid de queue, l'enfant. Il était trop tôt pour ma défaite. L'escalier monte à sa chambre. Et dans le froid de décembre,
l'accent français le trahir. En bras de chemise légère, dans ses yeux tous nos mystères, de Marseille à Paris. Mes photos d'un ado sombre, accrochées au mur devant lui. Est-ce moi? Est-ce lui? Comme le héros d'un livre qui ne souffrirait plus du froid, l'homme qui marche devant moi. Est-ce moi? Comme le héros d'un livre qui ne s'ouvrirait plus qu'une fois, l'homme qui marche devant moi. Est-ce toi? Le saviez-vous? La neige couvre plus de 30% des terres habitées de la planète. S'appuyant sur cet unique constat, les réalisateurs de La Neige nous emmènent à travers les contrées les plus enneigées du globe pour un voyage étonnant où le temps semble s'arrêter. Courez voir La Neige, un film qui vous laissera longtemps ébloui. Cinéma. The Human Body. Une équipe de scientifiques en herbe visite le corps de Scarlett Johansson. Leur déambulation dans l'organisme star provoque de violents changements d'humeur chez la comédienne occupée à présenter les Oscars. Un film d'animation à destination des jeunes qui souhaitent s'orienter vers une carrière médicale. Ne pas rater la fin poignante où le héros préfère vivre caché dans l'intestin de la vedette plutôt que de retourner en fac de langue. Bonsoir, Jeffrey. Bonsoir. Jeffrey, si vous étiez un cheval... Oui. Quel genre de cheval seriez-vous? De course, sans aucun doute. Jeffrey, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez une longue carrière derrière vous et un maximum d'idées. Le plus dur au début, ça a été l'attente. Quelle gueule avez-vous préféré porter? Ensuite aussi, d'ailleurs. Quelle heure vous avez? 18h30. Ça devrait être à nous, là, non? Ouais, depuis 18 minutes, ouais. Mais soyez patient, vous verrez qu'à la fin, il y aura une morale à tout ça. À travers Sven Larsson et son fond vert, comment il a vécu, comment il a bataillé. C'est tous les petits porteurs de projets que notre film va venger. Et tant pis si pour ça, il faut faire quelques concessions. Oui, on peut faire des trucs super en rognant tout ce à quoi on croit. Et ça, vous voyez, j'y crois énormément. Allez, je fonce. Non, Bertie, attendez! Vous êtes sur le point de nous révéler votre intimité de... alors que deux individus s'invitent sur notre plateau. Ça, c'est l'esprit du top 10, en prise directe avec l'époque, sans chaussures et sans tabou. Alors messieurs, vous avez sans doute gros sur le cœur, vous avez beaucoup à nous dire.
Libre antenne au grand n'importe quoi, nous vous écoutons. Et ça enregistre, hein? Non, c'était juste pour vous demander, et sans déranger, bien sûr, de bien vouloir libérer le plateau. Oui, c'est à nous, c'est l'heure de l'incruste. L'incruste? L'incruste. L'incruste? L'incruste, oui. Un film sur l'inventeur du fond vert, Sven Larsson. Absurde, j'adore. Non, pas absurde du tout, non. Sven a vraiment existé. Toute sa vie, il a bataillé pour défendre le fond vert. Contre le fond bleu, notamment. Avec le recul, c'était un moment vraiment gênant. Pour des gens de cinéma comme nous, la télévision est un média ultra violent. Que diriez-vous au spectateur qui n'a pas envie d'aller voir l'incruste? C'est un film de potes réalisé avec une équipe vraiment extraordinaire. Vendre notre âme, je crois que c'est ce que nous avons su éviter. Le grand public ne vous connaît pas forcément. Comment vous définiriez-vous en deux mots? Difficile ce que vous me demandez là. Comment me résumer en deux mots? Je crois que je suis quelqu'un qui a horreur de parler de lui. Bertie est quelqu'un qui a horreur de parler de lui. Je suis quelqu'un qui a horreur de parler de lui. C'est un enfer pour moi que de parler de moi. Mais s'il faut le faire, pour le film, allons-y. Mais très vite alors, car il est l'heure pour nous de découvrir notre numéro 7 du top 10, Sylvie Flambard et son Ultra Devotion. Ultra Devotion. Je te donne mon héritage, la grande illusion. Moi je brise le bracelet. Ultra Devotion, je le tiens d'un héritage. Alors sois sage. De lumière de façon claire. Ultra Devotion, couvre-toi de mon étoffe, Rachmaninoff. Ultra Devotion, je porte en mélancolie nos vies, ta mélodie. Pour m'approcher. Ultra Emotions, penche vers la mémoire pour me revoir. Ultra Devotion, couvre-toi de mon étoffe, Rachmaninoff. Ultra Devotion, je porte en mélancolie nos vies. S'ouvre la porte muette, secrète. Parfois je regrette. Ultra Devotion, je tiens ça d'un héritage. Alors sois sage. Couvre-toi de mon étoffe, Rachmaninoff. Ultra Devotion, je porte en mélancolie nos vies, ta mélodie de nuit. Ultra Devotion. Vite parce que j'accueille un très gros artiste derrière. Ne me mettez pas dans le rush. Ok, faites venir le fond. L'arrivée du fond vert restera comme le souvenir le plus marquant du tournage. C'est clair. Un moment ultra émouvant. Du fond de ce vert, Bertie, c'est l'infini qui nous contemple. Tout semble soudain possible. En théorie, oui.
On dit que la forme est importante, mais le fond l'est tout autant. Vous avez une idée de ce qu'on va mettre à la place du verre? Bien sûr, oui. Et vous n'êtes pas inquiet par rapport à la taille? Un petit fond vert vaudra toujours mieux qu'un grand fond d'une autre couleur. Personnellement, j'avoue sans fausse pudeur, recevoir le fond a été un moment de grande émotion. J'ai même fait une mini-dépression. C'était tellement énorme. Après 8 ans de galère, enfin on touchait le fond. J'en ai chialé. Les larmes de Bertie ont décoloré la toile à plusieurs endroits. Le verre n'était plus tout à fait le même. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ces taches? Je fais de l'acidité. Une partie de l'équipe s'est mise en grève. Au revoir, messieurs. Je suis désolé, j'adore le projet, mais je peux pas prendre le risque de filmer sur un fond vert déficient. Le chef Hop voulait partir, mais l'ingé son était OK pour continuer. À votre service. On s'est alors tourné vers le producteur délégué pour trouver une issue à l'amiable. Non, qu'est-ce ça peut changer? Il n'y aura pas un seul. Calmez-vous. Une solution consistait à couvrir le fond avec d'autres larmes, de façon à ce qu'il redevienne homogène. Thomas, excusez-moi, mais je peux pas pleurer sur commun. Alors l'autre solution, c'était de faire jouer les assurances pour un remplacement immédiat. Et c'est ce que nous avons fait. L'arrivée du second fond vert a été un moment hyper émouvant. Ok, faites venir le second fond. Avant que le hasard ne
En partenariat avec les salades minutes Michel Berton, le Ben et Bertie Show vous propose à présent 30 secondes de fond vert intégral afin de permettre à tout un chacun de s'incruster dans l'émission. Attention, cette offre est suivie d'un supplément fond bleu à destination de nos amis au teint pistache. Il est beau notre domino. Tout va bien, Dom? Merci, hein. C'est une chance inouïe de pouvoir compter sur vous. Avec Domino, on a senti que le courant passait immédiatement. Ouais, il était devenu Sven Larsson, il avait tout vu. Tout vu sur le personnage, il était à fond. Le découvrir dans la tenue de Sven, c'était... waouh. Vous avez eu le temps d'apprendre les textes? Évidemment. Dans la voiture, en arrivant. Mais c'est pas le scénario que vous avez appris, là. C'est le plan de travail. Pour moi, c'est capital d'avoir les horaires bien en tête. J'aime savoir à quelle heure on termine. En très grand professionnel, Domino avait appris le plan de travail. Et sinon, c'est possible de vous voir un peu debout, voir les chaussures, comment ça fonctionne? Oh, c'est inutile. Moi, je préfère jouer assis. Domino, c'est une nature. Il fait partie de ces acteurs qui donnent une couleur à l'ensemble du tournage. Il nous fallait un acteur principal de taille à rivaliser avec le fond vert. Le teint de sa peau devait être suffisamment rouge pour bien contraster. C'est pourquoi on a demandé au maquilleur de faire des efforts dans ce sens. Vous jouerez assis? Y compris les scènes debout. Larsson est un homme debout. Debout face au reste du monde, vous comprenez? C'est que vous en faites pas, on a qu'à le filmer par petits bouts, la tête, le tronc, on récupérera les jambes sur Stéphanet, et puis on assemblera tout en post-prod. Okay. Et ouais, c'est ça le cinéma. Faut profiter des circonstances, pas aller contre elles. Chaque obstacle est une invitation à la créativité. Franchement, je plains les tournages où tout se passe bien. Comme tous les gens qui n'ont jamais fait de cinéma, Domino s'est révélé extrêmement impliqué. C'est quelqu'un de très vrai, de très cru. La chair de son visage fait un peu penser à du sushi, d'ailleurs. Surtout, je crois qu'il a aimé qu'on lui résiste. Voyais-tu voir dans la rue quand tu m'as croisé cette fois-là? Que voyais-tu dans mon regard cru? Tu ne voyais que toi là. Que pensais-tu? Que voulais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai que pouvoir, 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 de soir en soirée. Regarde des vallées, ceux qui m'y ont croisé n'ont vu qu'un regret. Bien habillé d'un regard de chat, de quelque part narquois, d'un rire de cinéma qui au fond disait, qui au fond. La vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai que pouvoir, j'ai que pouvoir.
pouvoir. J'ai que 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 pouvoir. Je vais voir, vous comprenez? Bah oui, comme le dit si bien Benoît. Vais voir, oui. La brando, pas là, ok? Ce matin-là, nous tournions une scène compliquée. La comédienne n'avait pas pu venir, Ben donnait la réplique. Bon, coupé, on l'a. C'est un moment clé dans la vie de Larson. Ses recherches sur le fond vert piétinent, ok? Sa femme est à bout, il doit faire un choix. On comptait énormément sur cette scène. Réussi, elle pouvait sauver le film. Raté, par contre. Sven, ce n'est plus possible. Nos enfants ont faim et toi, tu ne penses qu'à ton fond vert. Arrête tant qu'il est temps. Pourquoi ne pas reprendre ton travail à l'Institut? Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. C'était la réplique de Domino. Très simple. A priori. On avait bossé des semaines là-dessus, rien que sur cette réplique. La tension monte, monte, et Sven Larsson répond simplement... Je vais voir. C'est très puissant. Je vais voir. Sous-entendu, voir le jour ou voir rouge. On avait fait le compte, il y avait 17 interprétations possibles. À la première prise, Domino était déjà très bien, mais il a voulu tenter quelque chose. Laissez-moi une prise. Juste une, je voudrais vous faire une proposition. Bosser avec un comédien comme Domino, c'est comme travailler avec un fauve. On ne sait pas de quoi il est capable. Mais une chose est sûre, vous pouvez vous faire bouffer à n'importe quel moment. Émotionnellement, je veux dire. Quand la réplique de Domino est arrivée, on n'en menait pas large. Il a commencé, je vais... La réplique était, je vais voir. Bon, tout le monde est pendu à ses lèvres. On se dit, il est en train de faire un malaise. Et là, miracle, il avait décidé de laisser un grand blanc. Je vais, ok Domino, mais je vais quoi? Au bout de 30 secondes, il n'avait toujours pas terminé sa phrase. On était liquéfiés. En 2 jours de carrière, je n'avais jamais rien vu d'aussi puissant. Domino a terminé sa réplique 1:30 après l'avoir commencé. Voir. C'était génial. Toute l'équipe était sous le choc. L'ingé soin a même oublié d'enregistrer. On a voulu la refaire, mais Domino devait donner une leçon d'auto-école. Il était très embêté. Dommage. Parce qu'après, on n'a plus jamais eu l'occasion. Sa performance a été si puissante que le fond vert a tourné au mauve. C'est extrêmement rare, mais il paraît que ça arrive. Truc de dingue. C'est Gecko sur le top 10. Tiens. Y'a de la fumée qui flash au Jackson. L'odeur de la viande grillée allège les piétons. Chaque gars de la tête a sorti un billet de son jean. Direction, la boucherie muslime. Bah ouais ma cousine, on a fait le plein de viande. Y'a des brochettes, des merguez. C'est pas tous les jours qu'il lui fête ses 22 ans. Pas de carré vip, champagne et de soda son an. C'est carré de zip, barbecue, feu de charbon. Soleil nous tape sur le chiro, sur la cafetière. On a sorti nos plus belles skatecars. Y'a de la flotte et un pack de pierre dans la glacière. Ma frère, t'aimes à la glace, la maillot c'est de la Benedicta. Y'a même du Mirinda, et comme la pub Naki. On a fait le barbecue avec Guido Cadi. Il manque juste la Gavali pour ce soir à Ibiza. Hey, souhaite bon appétit à toute ma cavalerie. Enfin l'été, enfin l'été. Vous êtes chaud ce soir. Enfin l'été. C'est l'été de force ou de. Enfin l'été.
Les baguettes sortent de la boulange. On est aux anges. En plus, devant nous passe deux, trois boulets de canon. Des s'échappent de nos bouches en losange. L'arche où moi je viens de faire tomber mon assiette carton. On a sorti la benne car on chie pas où on mange. Fais un crochet par le McDo, ramène des glaçons. Personne pense à monter sur un bureau de change, non. On pense qu'à part la vodka orange et à tâter le ballon. La grande classe, on a même sorti les gants basses. Sur la blouse, y'a des démonstrations de pancrasse. Les petits veulent faire du D-Max, mais leur à casse. Ils ont la poisse, faudrait pas qu'un coeur les prenne en chasse. C'est Kex au top 10. Enfin l'été, on est plus bas que le soleil. Yeah, enfin l'été. Stéphane, c'est Keko. Enfin l'été. Ah mon Karel, on va rentrer parfumé à la fumée du pape qu'on a crié à Vlaprem. On a fait preuve de générosité, on a offert des casse dalles même à ceux qu'on pas cotisé. Rendez-vous la semaine chaîne pro. Manger les restes des merguez et des chaînes bro. On jouera au Caire Pro, ambiance bataille d'eau. Le check-out ouvre les portes de son resto. Tira, enfin l'été. Du soleil à barbecue, enfin l'été. Tout le monde en cœur, enfin l'été. Stéphane top 10, c'est Diego. Non, Bertie, le cinéma, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'un assemblage d'images, je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Vous avez donc oublié la leçon d'Hitchcock ? La leçon d'Hitchcock. J'attendais celle-là. Votre cinéma est trop prévisible, mon vieux Ben. Vous oubliez que dans le cinéma, il y a si. Et c'est avec ces si qu'on avance, qu'on parvient à sortir de soi et de ses habitudes. Des si, toujours des si. Eh oui, des si. Je suis désolé, Ben, mais je propose sans arrêt quand vous, vous ne vous remettez jamais en question. Vous faites fi de tout. Quoi, moi, je fais fi ? Exactement. Vous faites du cinéma. Des dissensions sont apparues très vite entre Ben et Bertie. Le film n'avait pas besoin de ça. C'est normal. Quand on fait quelque chose de grand, il peut arriver qu'on soit en désaccord. Ça dure 5 minutes, on se dit nos vérités, c'est terminé. Ah, je fais du cinéma. Parfaitement, oui. Eh bien vous, Bertrand, vous plaignez tout le temps. Vous êtes une vraie princesse. Vous ne faites rien d'autre que du cinéma. Je préfère faire du cinéma que du clinéma, monsieur l'hygiéniste du grand écran. C'est grotesque. Me reprochez à moi de faire du clinéma, mais c'est ridicule. Vous êtes en train de faire du ridicule, Néma. Eh, venez voir, il est en train de faire du ridicule, Néma. C'est vrai que toutes ces histoires de cinéma, de clinéma, ont vite fait de fatiguer l'équipe. Soudain, c'est devenu trop compliqué. À un moment, on a tous ressenti le besoin de faire une pause dans le tournage et d'aller prendre l'air. Je vais partir quelque temps, je vais voyager un peu, tenter d'aller à la rencontre du monde, trouver des fonds pour l'incruste. Vous faites bien. Et vous ? Je vais aussi explorer d'autres pistes, en musique notamment. Ah, c'est intéressant ça. Oui. Est-ce la fréquentation du top 10, de Stéphane ? Je découvre que la musique est quelque chose d'hyper important. La continuation du cinéma par d'autres moyens. Mais oui, pourquoi pas ? Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir notre top 3 de la semaine, Bertie et ses tweetos. Oh putain, c'est à moi. Sur la question, sur le siège de l'avion, j'ai oublié mes indices.
dans ma chambre d'hôtel. Mon avis sur la question sous le sabot d'un cheval. J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais plus quoi. J'ai pourtant des idées que les autres n'ont pas. Seulement voilà, je ne m'en souviens pas. D'une jolie chanteuse, autrefois mannequin. J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais plus quoi. J'ai pourtant des idées que les autres n'ont pas. J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais plus quoi. Voilà, je ne m'en souviens pas.
cinéma. Et cette semaine, dans les salles. Du jour au lendemain, un homme se retrouve 6 pieds sous terre dans le noir le plus total. Incapable du moindre mouvement, sans la moindre idée, il ne se souvient de rien et n'a aucune conscience de quoi que ce soit. Plus troublant encore, il n'a aucun projet et pas la moindre intention d'en avoir. Full Dead, un survival ténébreux au tempo distendu qui pourra agacer par ses grosses ficelles. Cinéma. Enfin, ne manquez pas Krokolov, récit d'une passion. Love story bouleversante sur les rives du fleuve Orénoque, où l'amour impossible entre un homme et une femelle croco. Une leçon de vie que cette histoire vécue sur la difficulté à s'intégrer dans l'univers raciste et ultra-macho des grands reptiles quand on est maroquinier. Bertie, vous n'allez pas le croire. Nous sommes nominés. Non. Faites voir. Comme au final, l'incruste ne faisait que 17 minutes, le film n'est pas sorti en salle. On n'était pas non plus éligible aux Oscars. Par contre, nous étions nominés à la remise de la veste. La veste récompense chaque année le meilleur projet non abouti. Faite d'un mélange de laine d'Écosse et de tulle de platine, la veste couvre de prestige celui qui la porte. Oui, enfin surtout, elle s'accompagne d'une aide substantielle à la non-réalisation d'un prochain projet. Et c'est comme ça qu'on est parti à la remise de la veste. On était persuadés de l'avoir. Et les nominés sont... C'est à nous, Bertrand. 2000 ans d'histoire en moins d'une heure, de Rosalie Ben Barka. Grandir en Île-de-France, par Igor et Grishka Martinez. Krokolov, récit d'une passion, par Thérèse Granchester. Et l'incruste, de Ben et Bertie. J'ai peur que la veste aille à Krokolov, cette daube. Et les vainqueurs sont, car ils s'y sont mis à deux, Ben et Bertie pour l'incruste. On s'y attendait vraiment pas. Une seconde avant, je disais à Ben mon souhait de voir récompenser le très beau film d'amour avec le crocodile. Alors, merci à tous pour cette veste. Hein, hein. Good for doom. Hein. Cerise sur le gâteau, Sven Larsson était là. Comme dans un rêve. Merci. Oui, ça s'est joué à quelques secondes. Les quelques secondes où on a eu les jambes coupées. Ah, sans ça, on arrivait sur scène avant lui, oui, c'est sûr. Pour autant, je veux associer à ma veste les réalisateurs Ben et Bertie qui ont eu la bonne idée de faire ce film sur moi. Messieurs, cette veste est aussi un peu la vôtre. Il va sans dire que je vous la prêterai pour vos rendez-vous galants. Merci. Voilà, c'est l'aventure d'un film. Des moments exceptionnels. C'est là qu'on comprend vraiment le sens des efforts consentis pendant des mois. Depuis le premier rendez-vous, devant la grille de la production. Tout s'est goupillé comme par miracle pour en arriver là. À l'hôtel W. On croit faire un film, mais en vérité, c'est lui qui nous fait. C'est lui qui nous tourne.
jerk, talk about how hard he works. Come and be a flirt, I'm an expert, you could wipe off his smirk. Do you like rap? Well, so happens I'm so ballin'. What I mean is between you and me, there's a gap, don't fall in. What a funny way to approach music, I must be stopped. You cut your eye on the top, I drop to the bottom of the pops. Harmony's French, but the melancholy melody's so Slavic. Whether I rap fast or slow, the rap flow's polysyllabic. From the minute I'm awake, it's a great day to get this cake. Polishing a mixtape, let me fixate on a flow and 6-8. I'm a lot of things, but a left-wing singer-songwriter, I'm not. I'm a lot of things, but a right-wing singer-songwriter, I'm not. Let's smoke all that, yeah, we can hang around like a ball sack. Get high, then a top hat on top of a rather tall chap. Cyborg version of George Gershwin, I'm a Tin Pan fan. Famous in Paris, I'm embarrassed, cause I can't. Disappoint a crowd, my God. I just play what they want like a jukebox or an iPod. Write a song here, play a show there, wanna tell my dad so there. Now that I got what I want, I'll be honest, I'm so scared. It's all downhill from a spot that you always thought you deserved. It's getting on my nerves everywhere that I go, music nerds. You write a dumb questions, cause the song has them all answered. You write a smart questions, cause the song has them all answered. Come and listen to a schmuck talk about a bunch of random stuff. And if you had enough, if you made it this far, call my bluff. I'm light years ahead of all these other entertainers sitting right here. See, I'm not what you think, cause you drink and your breath stinks like beer. Here's a little riddle in the race to the middle, who's mediocre? I'm cult, if I wanted culture, I would eat a yogurt. Let me show you how to beef, you can even chow down on the whole cow. Got a mouth hole so cold like the South Pole, I'm blue brow. Je devais retourner qu'une seule fois au studio. Bien des années plus tard, je ne reconnaissais plus rien de l'endroit où nous avions tourné. Je vais récupérer quelques bricoles. Et pour le fond, on fait comment? Prenez-le. Oh non, prenez-le. Bon, d'accord. Mais prenez aussi un verre à la maison un de ces soirs, pour en profiter un peu. Pourquoi pas? À ce moment-là, j'en profiterai aussi pour vous emprunter la veste. J'ai peut-être un rendez-vous galant à la rentrée. Le top 10. Toujours là. Souvenir. Et je vous demande d'accueillir comme il se doit notre top Uno de la semaine. Domino Del Toro et Patricia qui nous interprètent Filme-moi. À vous, Domino et Patricia. Filme-moi. Filme-moi. Éclaire-moi. Fait pour en faire du cinéma. Une maison borgnolée avec des murs de bois. Un feu de tissu rouge
cumule à tigre dressé, le fond vert brisé se change en fleuve fou. Filme-moi, filme-moi, repère-moi. Des abysses au ponton, voici mon toit. Permet de voir s'évader le sommeil et la voix. Voici l'on voit la fille, la princesse déboutée, qu'éclaire un amour enfui dans une île en 3D. Filme-moi, ou bien c'est moi qui te filmerai. Slow motion-moi sur une plage de pixels. C'est ma sensibilité contre la tienne. Filme l'intérieur du rêve, filme le porc et l'oiseau, le miel et le porno, la larme dans l'œil de l'abeille. Filme ma chanson, filme le ciel heureux, le fort et le secret. Filme mon désir d'être filmé. Filme-moi mon insu, filme le million de vues. Filme en plongée ma superficialité. Filme en 4K. La lumière qui est en moi. Filme-moi, puis ne filme plus rien. Mais ce qu'on veut, nous, c'est l'amour.